Bonjour à tous, nous sommes quatre étudiants en BTS production horticole au lycée La Cadène. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve avec Emma. Bonjour Emma. Bonjour, ça va bien. On se retrouve avec Sarah aussi et Amandine. Donc, avant le BTS, j'ai réalisé un bac ES et je suis partie en faculté d'histoire. J'ai passé un bac général en 2016 et après avoir passé mon bac, ne sachant pas vers quelle filière m'orienter, je suis allée travailler 6 mois chez un maraîcher. Alors j'ai passé un bac technologique, option e-tech, en 2015, ça fait assez longtemps. Ensuite j'ai voulu me diriger vers les mathématiques à la fac. Ça m'a pas vraiment plu, donc j'ai suivi un cursus de traduction anglais-espagnol. J'ai passé ma licence et ensuite j'ai commencé à faire des petits boulots et je me suis intéressé de plus en plus aux fruits et légumes. Je voulais savoir comment ils se produisaient. Suivre toute la ligne de production. J'ai fait un bac sanitaire et social. Après, j'ai fait un service civique de 6 mois dans une école primaire et maternelle. Puis, je suis venue m'installer à Toulouse où j'ai travaillé dans des écoles primaires en tant qu'animatrice. Puis, j'ai fait une année de licence en psychologie. Alors, ayant un projet d'installation, j'ai souhaité, avant de m'installer, approfondir mes connaissances, avoir plus de bagages, gagner en rigueur et en organisation. Et le BTS m'a totalement satisfaite de ce côté-là. J'ai choisi ce BTS parce qu'il est très varié au niveau des cours. Ce qui était intéressant, c'était de voir justement le secteur vivrier et le secteur ornemental. Pour moi, qui n'avais pas vraiment de préférence, et du coup de pouvoir voir vraiment différents domaines et d'apprendre sur différentes cultures. La faculté d'histoire était pour moi absolument pas concrète. Du coup, je cherchais ben, justement du concret. J'adore la nature, donc je suis venue ici.